This 2020-21 Von D. Globe Round the World Race Report is brought to you by Pantaneous Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance. Implanté sur un site naturel exceptionnel, c'est l'un des plus beaux parcours français. Aujourd'hui, 19 octobre 2020, le golfe de Saint-Jean-de-Mont accueille la deuxième édition du Vendée Golf, tournoi réservé à une certaine catégorie de joueurs, plutôt reconnus pour exercer leur talent sur un autre terrain de jeu. Là, la dernière fois que j'ai joué, je crois que c'était il y a 5 ans. Et voilà, je joue deux fois tous les 10 ans. Et d'ailleurs, la dernière fois, une des dernières fois que j'ai joué, c'était il y a 8 ans, il y a quelques semaines du départ du Vendée Globe. Thomas Ruyant, Kojiro Shiraishi, Sébastien Simon et Armel Tripon, tous les quatre concurrents du Vendée Globe 2020, ainsi qu'Alain Gauthier, ancien vainqueur de l'épreuve, ont répondu à l'invitation du Vendée Golf, organisée pour la première fois en 2016. J'ai proposé au team d'emmener leurs marins sur le parcours, au début du village, au moment où ils sont encore un peu détendus. Ils ont besoin de prendre une bouffée d'oxygène avant de se plonger dans leur course, et ça a répondu très présent. Je pense que pour un skipper qui sait qu'il va avoir 3 semaines un peu chargées avec cette période qui est quand même compliquée pour les skippers, il faut le reconnaître. Donc là, passer une journée en plein air, en plus avec des conditions top, c'est parfait. Kojiro Shiraishi, 9 de handicap, n'est pas là pour amuser la galerie. Le japonais, qui s'apprête à prendre le départ de son deuxième Vendée Globe, pose même un parallèle intéressant. Pour l'anecdote, c'est l'équipe Arkea Paprec avec son skipper Sébastien Simon qui a rendu la meilleure carte. Matinée grisouille au Sable d'Olonne. L'une de ces journées, ça tombe plutôt bien, où les concurrents du Vendée Globe doivent passer du temps à l'intérieur de leur bateau afin de satisfaire au contrôle de sécurité. On a 9 pages par exemple, voilà, on a 9 pages de contrôle à faire au niveau sécurité du bateau, mais également sécurité du skipper. Le skipper part pas tant que toutes les cases ne sont pas cochées. Parmi les 12 élus du jour, Benjamin Dutreux, skipper de l'IMOCA Omiya Water Family, dont c'est la première participation. Oui, c'est un moment important parce que, mine de rien, une liste de sécurité pour partir sur un Vendée Globe, c'est pas quelque chose d'anodin. Là, c'est juste le petit check-up, voir que tout est en règle. Rien ne doit être laissé au hasard lors d'un contrôle de sécurité qui s'appuie aussi sur les habitudes et les réflexes de chaque marin. Tu mets un gilet de tout temps. Dès que je sors, je mets mon gilet. Je le laisse tout le temps, en fait, devant la porte, là. D'accord. Voilà. Tu le mets ou pas, ton casque? Non, je le mets que pour monter au marin. Celui-là, il est bien, j'ai regardé, on a différentes normes, tu vois, qu'on accepte, et celui-là, il est bon. Les contrôles participent donc à la sécurité du skipper, mais veillent aussi au respect de l'équité sportive. Certains équipements sont plombés pour ne pas être utilisés autrement qu'en cas de force majeure. Le plombage, ça permet de bloquer en position, c'est-à-dire on ne peut pas les bouger. On ne peut pas les matosser, un certain nombre d'éléments comme les radeaux de survie, là les bidons de survie. Et à l'arrivée, les plombs sont vérifiés. Si jamais il y a des plombs qui ont sauté, donc ça veut dire que c'est cassé, le skipper se prend une pénalité en temps. Le temps, Benjamin Dutreux a failli en manquer suite à la défection d'un partenaire. Aujourd'hui, les doutes sont levés. Omiya Water Family sera bien au départ du 9e Vendée Globe. Le bateau aujourd'hui est quand même plutôt bien fiabilisé, plutôt bien prêt. Vu le timing qu'on avait au début, il y a quelques mois, on est assez fiers, quoi. Vendée Globe 2000, Yves Parlier fait longtemps partie du groupe de tête avant de subir une avarie. Malgré cette cruelle désillusion, il veut continuer la course. S'ensuit une réparation héroïque. Quand j'ai dématé dans le Vendée Globe 2000-2001, je me suis dit, c'est con parce que j'aurais eu mon système... J'aurais pu continuer la course plus facilement que de réparer mon mât en Nouvelle-Zélande. Vendée Globe 2020, le système auquel Yves Parlier fait allusion, le voilà, le Liberty Kite Safety, une aile de kite qu'il a conçue pour la traction des bateaux de 4 à 18 mètres. Ça évite, pour le cas particulier, des voiliers qui dématent. Les problèmes qu'il peut y avoir de remonter coûte que coûte les morceaux de mât.
tout en permettant au bateau de pouvoir remonter au vent. Peu encombrant, le Liberty Kite Safety ne pèse que 2 kg. Son installation prend moins d'une heure et permet au bateau de se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 4 nœuds. Si tu perds un gréement, tu n'as plus rien pour te propulser derrière. Du coup, tu vas aller plus loin dans le danger pour essayer de récupérer un maximum de choses. D'avoir un système comme ça, pour moi, je me dis, potentiellement, si tout part, tout part, j'aurai quand même un petit quelque chose pour avancer. Puis je pense que tu rentres à la maison sous voile, même si tu as abandonné pour casse, c'est quand même pas mal, quoi. À l'instar de Clément Giraud, 7 autres concurrents vont embarquer cette belle innovation, véritable apport en matière de sécurité sur les courses océaniques, aussi longues que le Vendée Globe. Cette aile de calte aussi est rassurante pour nous en direction de course parce qu'on sait qu'il y a un moyen de revenir au port relativement rapidement. Du coup, on n'est pas non plus obligé d'amener quelqu'un vers lui ou de dérouter quelqu'un. Donc cette aile a tout à fait sa place sur les bateaux, à condition d'être utilisée pas comme une voile supplémentaire, mais comme une voile de complément en cas d'avarie majeure. J'imaginais pas trop faire une deuxième carrière finalement, une deuxième vie en tant que coureur professionnel. Les Sables d'Olonne, juillet 2020. Sérieux ? 36 mois plus tôt, Manuel Cousin était encore cadre commercial chez un grand constructeur automobile. Et je voyais que dans ma vie, dans ma tête, la vie de coureur prenait de plus en plus de place et ça devenait plus possible de travailler sérieusement, entre guillemets, dans ce que je faisais avant. À 53 ans, Manuel Cousin va s'engager sur son premier tour du monde. Une décision mûrement réfléchie, avec les conséquences que cela a impliquées. Ça a été un changement de vie radical, mais c'était tellement du bonheur, et j'en avais tellement envie, et ma femme aussi finalement. Et donc on a dit, bon, allez, on arrête tout. On a vendu la maison, on a racheté une maison au sable, et voilà, c'est parti, quoi. En participant au Vendée Globe, le skipper de groupe Cétin entreprend un grand voyage vers l'inconnu, avec la lucidité et l'humilité qu'il convient d'observer. C'est le Vendée Globe et je sens bien que la pression commence à monter. Ce serait présomptueux de ma part de dire je suis serein. Non, on pense forcément à tout ce qui a pu se passer dans les Vendée Globe précédents. Je sais qu'il y aura des moments extraordinaires, il y aura des moments terribles, dans le sens où certainement très durs. Tu vas aller dans des mers que tu ne connais pas encore, les mers du Sud, je ne les connais pas. C'est 3 mois de mer tout seul, je ne l'ai jamais fait. Je suis quand même un compétiteur, j'ai envie de le finir et de le finir bien. Je suis dans un état d'esprit, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde. Ça se défend entre « je suis serein », mais en même temps, je sens la pression monter très fort. À la barre de son Imoca à dérive droite, Manuel Cousin sait ce dont il a envie, terminer la course, et ce dont il rêve, naviguer sous les 100 jours. This 2020-21 Vendée Globe Round the World Race Report was brought to you by Pantaneous Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance.